Ouais, comme je disais, je suis à la mairie. Hein. La mairie de Pilé. Un très beau cadre. Comme je disais tout à l'heure, je viens d'avoir un entretien avec les premiers responsables de la ville. Et surtout que Zaroko fait partie de la commune de Iré. Il fallait vraiment rencontrer les premiers responsables, échanger avec eux, qu'ils puissent me connaître, je puisse vraiment les connaître. Parce que nous prions pour eux. Il faut que cette mairie se développe. Que Dieu bénisse encore davantage cette mairie. Et que Dieu donne les moyens pour, n'est-ce pas, achever la mairie. Et que Dieu donne les moyens aux autorités afin de pouvoir développer la région. Vous savez que la Bible déclare que c'est Dieu qui a le pouvoir, qui est la clé. C'est celui qui ouvre les portes. Et celui à qui appartient l'or et l'argent. C'est pour ça qu'avec lui, il y a le développement. Et c'est pour ça qu'il faut composer avec les hommes religieux. J'ai échangé avec eux, le maire et tout ça. Donc je suis à la mairie d'Iré à cette date. Pour échanger, je viens de finir un entretien avec eux, pour dire, moi en tant que prophète, je bénis cette vie de Iré. Et j'ai tellement de repas, j'ai eu l'occasion de rencontrer les orpailleurs de Iré, pour échanger avec eux ce qu'ils faisaient comme pratique, où des gens tuaient des êtres humains pour recueillir le sang, pour aller chercher de l'or. J'aurais dit, c'est pas possible, parce que l'homme adore la vie. J'avais déjà eu une réunion comme ça. Nous combattons pour le bien-être de l'être humain. Parce que l'homme a droit à la vie. C'est pour ça que le combat que nous menons, il y a les crimes physiques, il y a aussi les crimes spirituels. Voilà, donc il faut qu'Iré soit développé. Et c'est le combat que nous menons. Et là où l'évangile est véritablement prêché, que les gens se convertissent et que la sorcellerie disparaît, la prospérité s'installe. Voilà, donc shalom à vous. Voilà, nous avons commencé déjà la construction de notre prio au niveau de Iré et Zaroko. Commencer déjà dans un endroit. Nous avons beaucoup de malades qui nous visitent. Par la grâce de Dieu, nous avons besoin de l'aide. Je l'ai signifié tout à l'heure aux autorités de la ville, qui eux qui ont pris acte et qui veulent aussi nous aider. Voilà, parce qu'il est vraiment important qu'il n'y ait plus de fous dans la rue de Iré. Ça, c'est important. L'homme a droit à la dignité parce que la folie, ça fait perdre la dignité de l'homme. Nous recueillons assez de malades là. Et tout ça, donc voici un peu. En tant qu'église, l'église ne doit pas s'asseoir entre les quatre murs. Quand on dit église, c'est l'ensemble de croyants. L'église doit répondre aux besoins de l'humanité. Nous avons le pouvoir spirituel. Et quand on en a un pouvoir, on s'élève pour exercer l'autorité. Voilà, on ne doit pas être entre les quatre murs. S'il y a un besoin quelque part, l'église doit répondre aux besoins spirituels. Il est vieux, nous le savons, les choses spirituelles. Et les données vont commencer à changer. Parce que depuis que nous sommes à Zaroko, les données ont changé. La mentalité s'est arrêtée. J'aurais expliqué là où il y a le grand banditisme, l'État déploie une armée ou des moyens pour arrêter le grand banditisme. Qui ici, tout le monde le sait, qu'il y a la sorcellerie, ça existe. Quels sont les moyens qu'on déploie? Mais nous avons décidé, et c'est pas maintenant que je mène le combat, je l'ai expliqué, je suis déjà à 4138 sorciers délivrés au travers de mes mains et qui, eux-mêmes, deviennent utiles pour leur maison, deviennent utiles pour leur famille, deviennent utiles pour la nation ivoirienne. Donc, que Dieu bénisse cette vie d'Iré. Voilà, vraiment. Et que le peuple d'Ida et que tous ceux qui vivent comme les étrangers sur ce territoire reçoivent la bénédiction. Que Iré soit béni. Que Iré ne soit plus en arrière. Que Iré ne marche plus en reculant. Que Iré bénéficie des richesses. Parce qu'ici, c'est une zone minière. Et que Dieu ouvre les grandes portes. Iré, sans toi, je parle. J'ordonne que le ciel s'ouvre sur toi et que tu retrouves ta dignité. Je te fais asseoir dans tous tes droits. Je prie pour le peuple de le Katon Vata et que tous ceux qui sont à Iré, qu'ils reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Et que Dieu soit le véritable Dieu ici à Iré. Shalom.